Mesdames et messieurs, nous sommes dans une école. En fait, c'est pas une école, mais c'est une église. L'église de Parti. 80 km de Lubumbashi, s'il vous plaît. 80 km de Lubumbashi. Mais regardez vous-même. Alors. C'est tous les bancs qu'il y a ici? Oui. C'est quelle classe ici? Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la première. Deuxième primaire. Alors, lui, il est en deuxième? Oui. Comment tu t'appelles? Héritier. Héritier, tu étudies ici? Oui. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui? Faut pas regarder le maître, regarde-moi. Faut me regarder moi. C'est quelle leçon tu as étudié aujourd'hui? D'abord, est-ce que tu me comprends? Quand je parle, tu me comprends, tu m'entends? D'accord. Mais ici, comment l'école s'est payée? On paye combien l'école? C'est-à-dire qu'ici, chez nous, on paye 3000 francs par mois. Alors, c'est manger? Bravo. Ou dans vous conjuguez verbe manger? J'ai au temps présent. Allez-y. Verbe manger au temps présent. Je mange, tu manges, il mange, elle mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Très bien. Oh. Bon, ok. Conjugue le verbe coulir. Verbe coulir au temps présent. J'ai coulé. Non. vas-y, continue. On va voir ta logique. Il coulé. Nous coulons. Mais c'est quand même courageux quand même pour lui. Qui peut, c'est pas coulir, c'est courir. La construction d'une école. Vous voyez, nous sommes là pour louer l'église. Pour que les élèves puissent apprendre. Mais comment ça s'explique que vous avez le couvre chez vous, vous avez toutes les richesses au Katanga, mais qu'on ait des écoles comme si on était au Moyen-Âge comme ça? En tout cas, c'est une musique. Donc là-bas, il y a une mission dans ton pays, aux océans comme il faut. Place où ils ont été sous-soutés. Hein? Oyogi, allez, quittez! Polo, ça, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas, on est là-bas! Hein? Ah! On est là-bas, on est là-bas. Comment, ok? Ah, aïe, on est là-bas. Vraiment. Qui sait? Et en plus, na yoki ki yo komi partout na Europe, dynamique Congo komi partout na Europe. Ama coquette, Moussala est komi juste partout. Tu komi na Suède, tu komi na Paris, tu komi na Lille, tu komi na Bruxelles, et puis base na vie suétikale toujours, Londres, Angleterre. Bisso na dynamique Congo, toza ko avancer na Nkolo. Alors là, nous sommes en train de poursuivre notre voie. Nous allons à Fungurume, messieurs et dames. Je vous invite donc à nous accompagner. Tout ça, c'est Lubumbashi. Et aujourd'hui, j'ai deux guides. Il y a monsieur Tito de la fois passée. Vous l'avez vu dans les deux premières vidéos. Et nous avons aussi monsieur Jérémy qui va nous accompagner lui aussi. Alors, est-ce que nous sommes bien dans la commune de Lubumbashi? Toujours? Oui, oui. Ouais. Alors, la commune de Lubumbashi, toujours, mais on m'a dit que 90% des routes asphaltées sont l'œuvre de Moïse Katumbi Chapo. Est-ce vrai? Pas tellement vrai. Oui, donc il n'y a pas totalement vrai. Pas totalement. Il y a des routes qui ont existé bien avant lui. Bien avant lui. D'accord. Mais bon, ce qui est étonnant, c'est que comment voulez-vous que le route ne fasse que 9 mois ou 10 mois? Et que tous les gouverneurs, quand ils arrivent, ils réhabilitent presque le même route. Alors je me pose la question, à qui l'on confie généralement la mission de route? Lubumbashi est un mystère. Lubumbashi représente beaucoup de choses, c'est vrai, et cache beaucoup de secrets. C'est entre la gloutonnerie politique des uns, les ambitions des autres, et les blocages de l'espace, je veux dire, le gouvernement central de l'autre. Et donc, Lubumbashi se retrouve entre ces deux blocs, ou ces trois blocs, et son développement en souffre. Alors, nous allons aller à Fungurume. Fungurume, c'est à 200 km, paraîtrait, de la ville de Lubumbashi. C'est
t'as une distance de 2 heures à parcourir dans 2 heures ou dans 1h30. 2h30, voilà. 2h30 si nous conduisons en responsable. Et je crois 2 heures si on conduit comme Tito conduit là, on fera certainement 2 heures. Alors, il y a des spécialités que j'ai vues, que j'ai rencontrées ici. Par exemple, les gens boivent beaucoup hein, à Lubumbashi. Ben oui, mais je n'ai jamais vu quelqu'un ivre ici, je comprends pas. Ils boivent beaucoup, mais ils ne s'enivrent pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils prennent la bière avec modération. Ah, avec modération. Mais ils prennent quand même beaucoup, quoi. Alors, tout ça, ce sont des fleurs sauvages, je veux dire. Oui, oui. C'est la verdure, mais dans l'état sauvage. Est-ce que jusqu'ici, il y a l'électricité, toujours? Oui, oui. Ouais. Lubumbashi, je me suis rendu compte qu'il y a comme l'électricité dans certains coins. Est-ce que c'est la situation générale ou c'est juste ici, quelque? Non, non, c'est juste ici. C'est pas une situation générale. Dans certains coins, il n'y a pas de courant. Pas de courant. Pourtant, vous avez le cuivre, hein? Vous avez le cobalt, vous avez tout. On a tout. On a tout ce qu'il faut. Mais la population en souffre pas mal. C'est vrai. Vous avez de l'or ici? Non, non. Pas de l'or, hein? Mais vous avez le cobalt? Après, cobalt, oui. Oui, vous avez le cuivre? Vous avez le zinc? Ouais, ouais, il y en a. Ouais. Alors, ces grands camions viennent d'où? Ils viennent de voyage? Oui, Nikasi. Est-ce que ça, c'est une route nationale? Oui, ça fait partie de la route nationale. Ah, d'accord. Là, c'est le numéro 2. Ça, c'est national numéro 2. Et après, ça de... Kasumbalé, ça. Ah, d'accord. Est-ce que Kasumbalé, ça, c'est toujours dans cette même direction? Non, non. Kasumbalé, ça, c'est le sens opposé. Sens opposé, oui. Ah, d'accord. Toujours la commune de... Ça c'est monsieur Tito encore, c'est quelle commune? On a quitté hein, je crois qu'on a quitté. C'est le parc, c'était pour Muyambo. Muyambo. Le parc de monsieur Muyambo. Muyambo, oui. C'est lui qui était arrêté à Kinshasa. Oui, oui. Ah d'accord. Il est libéré. Oui, il est libéré maintenant. Oui. C'est son parc à lui? Oui, oui. Parc Muyambo. Mais comment ils font pour avoir beaucoup de choses comme ça? Est-ce que c'est un parc de l'État qui s'est attribué ou c'est à lui seul? À lui seul. Ah d'accord. Très bien. Très bien. Alors, au moins, est-ce que vous pouvez, au moins, tu peux nous faire voir de l'autre côté, à votre gauche? Comment c'est? Mais ça, c'est quoi, là-bas? Nous avons commencé là où il y a les minerais. Là, on est en train de passer. Oh. Tout ça sont des minéraux. Donc, il y a des minéraux, ni ma carrière. Oui, ils sont des carrières. Ah. Bah, tu n'as pas de Djenga, il dit tout. Koudjenga, c'est construire, non? Oui, oui. Ah, ben. Ah, ouais, ben, ouais. On n'oublie pas, ça fait 23 ans que je ne parle pas swahili, mais bon. Ah, ouais, franchement. Ça, c'est quelle société? Ah, d'accord. Mais est-ce que vous pensez que ces entreprises contribuent au développement local? Ou ça contribue dans l'enrichissement des autorités? Ben, je comprends ici, les gens évitent de parler politique, je comprends. Ben, c'est une question que je me pose parce que regardez la proximité, la juxtaposition du malheur et du bonheur. Vous avez les grandes entreprises, droite nous avons la base militaire, mais de l'autre côté ce sont des entreprises. Alors ce sont des vastes étendues perdues, mais bon, peut-être non exploitées, on ne sait jamais ce qui se passe en réalité. C'est à la base Kimbembe. Cette route s'appelle quelle route? Ça s'appelle quoi déjà? Ah, route de Likasi, ok. Et voilà, donc ça c'est aussi une entreprise minière. Ouais, ouais, en construction. Entreprise minière en construction, ouais. Très bien. Alors là c'est le péage, hein? Oui, le péage. Le premier péage, je crois. Péage, oui, le péage. D'accord. C'est vrai qu'ils vont être embarrassés si on doit filmer, on va passer sans filmer.
Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons juste après le péage. C'est bon. Alors, poursuivons notre parcours. Je disais que nous allons et donc là nous sommes en train de continuer. On dit que c'est quoi déjà ici? Et ici c'est Kawama. Kawama. Avant d'arriver. C'est une commune? Non. Un village. Le premier village. Alors, mesdames et messieurs, regardez le premier village. Mais est-ce que vous comprenez que la richesse vient de là où nous allons, n'est-ce pas? Oui. D'une manière ou d'une autre, la richesse vient de là où nous allons. Mais constatez la rupture. Et cette rupture est voulue par les politiques. Disons, ceux qui ont dirigé ce pays depuis très longtemps ont manipulé l'opinion en faisant quoi exactement? En appauvrisant là où la richesse est trouvée pour venir finalement donner une société de consommation, mais pas forcément une société de production. Ça veut dire, nous allons appauvrir les endroits où l'on produit la richesse pour aller finalement construire une société de consommation. Et donc Lubumbashi se trouve être une société de consommation dont la richesse est trouvée dans les villages. Je suis d'accord? Oui, très bien. Alors vous allez voir que là où nous allons, il n'y a pas d'école, pas de bonnes écoles, il n'y a pas de belles infrastructures, les services d'eau, d'électricité, bon, on peut dire, c'est oublié. Les hôpitaux, les gens doivent faire 100-180 km pour aller rencontrer les hôpitaux. Et même les hôpitaux qui environnent ces endroits sont des hôpitaux à un moment donné sous-équipés. Mais vous allez voir à Lubumbashi, les gens sont extrêmement servis. Mais là encore, il faut nuancer parce que ce n'est pas toute Lubumbashi qui est finalement, servie. Cette mentalité, on ne la trouve pas seulement à Lubumbashi, vous la trouvez aussi à Mbandaka. Vous la trouvez aussi à Kisangani. C'est presque pareil. Vous allez voir par exemple Kinshasa qui ne produit absolument rien. Mais bon, ça va être compliqué. Alors regardez maintenant, là nous sommes en train de passer dans le système de mine. Voilà, c'est quoi déjà mine de publicité? D'accord. Vous êtes dépôt Gécamine. Alors ça c'est une mine de Gécamine. Mais de l'autre côté, au Mont, tu peux regarder qu'il y a une vaste forêt. C'est ça, les minéraux. Oui, mais exploité. Les minéraux sont en dessous. Oui, oui. À yeux ouverts, vous voyez qu'il y a de la forêt. N'est-ce pas? Et est-ce que ces habitations, vous me dites, sont des habitations de zone? Oui. C'est pas possible. C'est pas possible. Mesdames et messieurs, nous sommes à 30 minutes de Lubumbashi. À 30 minutes de Lubumbashi, mais regardez vous-même ce que c'est. Regardez vous-même. Alors là, c'est encore une mine. L'entrée est une mine. Est-ce que tu c'est ce que tu appelais les mining, c'est ça? Non. Ce sont des carrières. Nous sommes à 30 minutes de Lubumbashi, même 20. Mais regardez vous-même les conditions dans lesquelles les gens vivent. Que des villages. Que des villages. Les montagnes, je ne dirais pas si c'est vraiment une petite montagne, mais qui est très bien. Donc encore dans son état sauvage. Et quand on dit aux Congolais que le Congo n'est pas, je veux dire, surpeuplé, les gens ne comprennent pas. 80 millions d'habitants qui sont au Congo, je veux dire 120 millions, parce qu'aujourd'hui on n'est plus dans les 80 millions, on est dans les 120 millions de Congolais qu'on a aujourd'hui. Je dois vous rassurer, mesdames et messieurs, ne vivent que dans des endroits extrêmement concentrés. Extrêmement concentrés et laissant comme ça des espaces énormes, vierges. Comme ça par exemple, les gens vont dire non, mais ce ne sont pas des espaces, ce sont des mines et tout, les concessions des gens. Mais bon, c'est une belle rubrique pour mentir. Et pour, ici, 50 km, rien de désert. Mesdames et messieurs, nous sommes à Kakila, à 80 km de la ville de Lubumbashi. Nous partons à Fungurume, mais nous nous arrêtons un peu là, parce qu'il y a une école. En fait, notre but, c'est de vous faire comprendre jusqu'où nous avons été détruits. Je veux dire dans la moelle épinière. Lorsqu'on détruit l'enseignement, lorsqu'on détruit l'école, eh bien, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a vraiment plus d'avenir. Et vous allez voir, tous ces véhicules passent. Traverse les villages, laissant les gens dans ces conditions. Les autorités passent par ici, mais est-ce que vous imaginez que nous sommes devant une école? Alors, Omo est depuis là stupéfait.
Mais regardons l'école, on va aller rencontrer le préfet. Alors ici c'est Swahili, mais je vais faire des gros efforts d'améliorer mon Swahili et de pouvoir me faire comprendre par les autochtones, ceux qui vivent ici. On va aller voir. Alors, bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Alors, Jambo? Jambo San. Mieniko Christian. Nina, comment je dirais? Je reviens de Kinshasa. Je suis en train de faire quasi. Bon, mon Swahili est comme Zouri. Il est comme Zouri. Il est comme quand même. Très bien. Alors, à partir de Wapi? Il n'y a pas Lukumba. Village Lukumba. Village Lukumba. Voilà. Hein, 80 km. 82 km. 82 km. Hein. Ok. Apa, il y a une école. Il n'y a pas une école. Et peu de deux. Kakila. Kakila, il y a une ville. Inchi, le village. Kakila, Ninjina, Rio, le village. Alors, il y a une école. Tout. Manque à mon tour à Fouchia pour Canis. Il y a construction avec tout djengé à Pan. Alors, en tout cas, il y a une école à Paiko, Kanissa, même on a. En attendant construction. Ok. Alors, est-ce qu'on peut voir l'intérieur tout... Oui. Ça va? Mais c'est marqué, comment on dit, quelle langue ici? Les enfants. Le Swahili ou français? Le Swahili. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une école. En fait, c'est pas une école, mais c'est une église. L'église de parti. 80 km de Lubumbashi, s'il vous plaît. 80 km de Lubumbashi. Mais regardez vous-même. Alors. C'est tous les bancs qu'il y a ici? Oui. C'est quelle classe ici? Ça, c'est la deuxième. Deuxième primaire. Alors, lui, il est en deuxième? Oui. Comment tu t'appelles? Il y a pas l'héritier. Héritier. Héritier, tu étudies ici? Oui. D'accord. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui? Faut pas regarder le maître, regarde-moi. Faut me regarder moi. C'est quelle leçon tu as étudié aujourd'hui? D'abord, est-ce que tu me comprends? Quand je parle, tu me comprends? Tu m'entends? Vous voyez comment on a changé la langue, c'est-à-dire qu'en deuxième, on apprend les Kiswahili. C'est-à-dire que ce sont les nouvelles méthodes qu'on a... Mais pourtant, quand vous allez interroger, vous interrogerez en français? Oui, on pense, c'est-à-dire que tous les deux. D'accord. Alors, qui est le premier de la classe ici, généralement, le plus intelligent? Le plus intelligent, c'est bien lui-même. C'est bien lui, héritier. Ah, si c'est lui, il est plus intelligent, mais qui ne comprend pas les français, ça va être compliqué. Il comprend, mais il fait... Okay. Parce qu'on étudie le français. Le français. Oral, ouais. le français oral. Ouais, okay. Et puis, les Kiswahili. Ouais. Le lion est un animal ou un oiseau? Le lion. Qui peut me dire que le lion est un animal ou un oiseau? Le lion. Animal, hein? Ça vient de là, très bon. Alors, toi tu es en quelle année? Sixième. Ah ben viens, alors viens, on va parler en sixième. Viens, on va discuter. T'es en sixième. Alors, dis-moi, tu es en quelle année? Moi. Oui. D'accord, tu es né en 2006. Alors, tu es en quelle année scolaire? Sixième. Primaire, c'est ça? Oui. Très bien. Et tu n'as pas étudié aujourd'hui? Non. Pourquoi? Tu étudies l'après-midi? Non. On a Somaka après-midi? Oui. Très bien. Alors, qui peut me donner le nom du président actuel? Comment il s'appelle? Président. Oui, président. Notre président s'appelle comment? Pas toi, tu es en sixième. Les autres? Le nom du président actuel, comment il s'appelle? Gina est président ou Etui Konani? C'est le petit Lombo Antoine. Alors bon, dites-moi, comment s'appelle Gina est gouverneur et tout? Pande Capo pour Célestin. Ah, mon joue bien. Ah, donc je comprends que ni soyez ni joue, comment s'appelle? Habitué. Bon, alors. S'il vous plaît. Munajua que Congo yuko inchimo ya kabambi sana. Ça munajua. Ikona ma richesse sana.
et que comment dire, on va construire tout à djenga et inchi chez beauté on a dit et bana djenga ka inchi yae RDC. Oui ben non bana djenga ka inchi yae na nanini bana djenga ka inchi ta djenga inchi j tout à djenga inchi j. Il faut que il faut que moussomme mouzuri, il faut pas moukimbi et masomo. Hein? Pourquoi c'est qui ya? Il faut que moussomme mouzuri, du moins quand on a somme mouzuri, moutakoua ça ba ba comment dire autorité. C'est-à-dire que comment moussomme mouzuri. A moutajoua qui kintu. Voilà. Vous faites un goût moufou, moufonde mason. Masomo. Moutakoua ça maître et nous. Moutakoua sa gouverneur, Moutakoua ma comment dire Batamine directeur, hein? Oui. Nani en attaque à quoi directeur? Jean. Ah ok. Nani en attaque à quoi président? Ouais, ou t'as quoi président? Bon, comme on a quoi président, ou t'as fait ou t'as djenganin? Ou t'as djenga masomo? Djou apa masomo iko, hein? Oui. Ou t'as djenga masomo, c'est ça? Ok. Mana djenga masomo, eh? Comment on fait? Djenga je masomo. Utafanya je. Kama on a pas président. Kama on a pas président. Uta djenga je masomo. Ok. Bon, est-ce que Mounasema a bien kweli? Est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'ils savent la vérité? Oui. Ils savent ce que c'est la vérité? Oui, oui. La valeur de la vérité. Oui. C'est ce que j'aimerais leur dire. La vérité. Il faut qu'un enfant parle, il faut qu'un enfant dise toujours la vérité. Mmh. Ouais. Est-ce que vous pouvez leur dire ça? Oui, oui. Mmh. C'est qui a pour ouais, ben là, oui, ça, il faut s'aimer bien. Hein? Oui. Moutou, il faut s'aimer tout bien. Oui. Ou si il ne faut pas qu'on d'angagne. Hein? Oui. Il ne faut pas qu'on l'ande. Hein? Mmh. C'est pas possible. C'est ça? Il ne faut pas qu'on d'angagne. Moutou, il faut que Moutou s'aimer bien. Oui. Il faut m'ogope ma comment on appelle ma parent et vous Bazazi il faut que Moukou et tout il faut être respectueux voilà hein Shim Bazazi Kushimi Bazazi Kupenda Inchi hein Moussi comment on dit voler il faut pas Moukou et Mouizi hein il faut pas Kouiba et voilà un peu ce qu'on va dire donc mais ici comment l'école se paye on paye combien l'école. C'est-à-dire qu'ici chez nous, on paye 3000 francs par mois. Mais et jusqu'à présent, d'autres parents qui ne payent pas. Et jusqu'à présent, mais nous sommes là courageux d'être bien, d'instruire les enfants. Alors, et qui n'ont pas payé par exemple ici? Bon, il y en a. Parce que comme nous avons la liste là, oui. Il y en a. Ok. Alors, on va faire un petit jeu avec eux. Oui. Je vais à Fungurume. Okay. Donc je reviendrai ici, si vous êtes toujours là, on paiera pour eux, parce que là on aura un problème de monnaie sur place. Oui. On aura un problème de monnaie et tout ça. Alors, Nataka Lipa Masomo ya Batoto Tatu, ya Mienzi, c'est ça non? Les mois. Mienzi. Tatu. Mais Batoto Tatu, il faut que Batoto ba comment on dit Bakiri. Ma question Yangu. Na posé ma question Yangu ou na Akiri. Oula Tajibu, moi Akiri Yakula Tajibu, il est batanzu pour Moulisa. Na batanzu pour Moulisa. Na Goulipia, 3 mois. Hein? Na Moulipia, 3 mois. Kami kona madeni. Bon, tout à Moulipia. Bon, alors, mathématiques. Toi, Nzananani, en fait, on a pas ta réponse, on a Niambi, hein? Oui. Ok. 4 plus 7 plus 5 égale combien? Oui. Ouais, c'est moi. 4 plus 7 plus 5 égale combien? Ni un Dieu qu'on répond. Moi. Ouais, Chouka. Igo, difficile, Joville. Utapata. Utapata. Nini. 9. Ouais. 17. Quoi? 17. Bon, on va calculer, c'est ça? Oui, il a réussi. Oh, ok, très bien. Nami, il y a un monsieur Gop, il est facile.
Nami est quoi qu'on a difficulté à calculer. Hein? Moi je sais qui est beau cas. Moi je sais qui est beau cas. Il faut que vous soyez courageux. Très bien. Ouais, on a pas d'un. Ouais. Pita coulé. Ouais. Au tapis. La chauve. Alors. Ingine, moi tout le monde Ingine. Question moi. En français, est-ce qu'ils vont comprendre ça va? Oui. Bon, en français, banaïta, comment vous appelez le sac en français? Le sac, sacoche. En swahili. En swahili, c'est sacoche. Ah, ok. Bon, qu'est-ce que je peux poser comme une conversion en français? Sacoche en français. Hein? Oui, par exemple. Hein? Bon, coula. Coup français, c'est ma carrière. Doucement, oui. Alors, oh, il fait manger. Bravo. Ou t'as envie de conjuguer verbe manger? Au temps présent. Allez-y. Verbe manger au temps présent. Je mange, tu manges, il mange, elle mange. Nous mangeons, vous mangez, il mange, elle mange. Très bien. Oh, toi là-bas. Toi, faut aller là-bas. Alors, il va faire bingine, t'es là. Hein? Verbe kukimbia. Là, coup français, Gonine. Kukimbia. Oui. Courir. Vas-y. Verbe kukimbia. Verbe coulir. Verbe coulir. Bon, ok. Conjugue le verbe coulir. Verbe coulir au temps présent. J'ai coulé. Non. vas-y, continue. On va voir ta logique. Il coulé. Nous coulons. Mais c'est quand même courageux quand même pour lui. Ouais. Qui peut c'est pas coulir, c'est courir. Courir. Ah. Bon alors le tout. Ouais, je comprends. Le tout dernier. Nanyata weza ku soma ile bitu banaandika ku tableau. Doucement. On prend Dada. Dada kwe. Tu prends le bâtonnet. Hein? Oui, oui. Dada. Ou ta soma. Dada, pat. Soma, tu y. Hein? Ouais. Moumouache à Malizé. Hein? S'il vous plaît, Moumouache quoi? Moumouache et Bec. Moumouache. 5 cadeaux. C'est ça? Moumouache quoi? Moumouache. Continuez. Pourquoi on a son moni? Pourquoi au deuxième? Est-ce qu'en deuxième c'est difficile de lire? Oui, bien dit. Même les autres. Bon, d'accord. Monsieur. Attendez. Soma? Oui, Soma. Soma. C'est pas que des 10 égale 70. Très bien. Alors, on a pris 3 élèves déjà? Oui, c'est 3. Bon, on prend un 4e élève. Où est son map? Neuf paquets de 10 égale 90. Très bien. Alors, il y a une. Somatou, s'il vous plaît. Somatou, il y a tout. Paquet. Il y a une lettre ni C. Ni C ou S. S. C'est-à-dire qu'en deuxième, on apprend, on ne lit pas C. Ah d'accord. On ne lit pas S, c'est C. Ah c'est comme ça alors. C, c'est Tchè. Ah d'accord. Ah oui. Ok. C'est la même méthode. Ah. Alors, lis-moi ici. Soumaï. I. Ok, Soma, il est où?
Didi, tu vas réussir toi? Didier. C'est en première. Ah, il est en première? C'est en première. Ah, mais lui, je l'aime beaucoup. Il est très clair, très clairvoyant. Tableau. Non. viens. Oui. Alors, où est-ce que tu as mis ton nom? Toi, où est-ce que tu as mis en première, il est? Et en première? En première. Première. Dina, qu'on est? Jospin. Très bien. Alors, moi, je paye pour Jospin. Et puis, c'est fini. Jospin. Très bien. Bon, nous, on va aller. C'est un orphelin. Ah, il est orphelin en plus? Orphelin. De qui? Des pères et des mères? Tous les deux. Tous les deux sont partis? Ils sont partis. Et qui le prend en charge? C'est sa grande-mère. Elle est où sa grand-mère? Elle se met au champ. Elle est au champ. Ah, d'accord. Ok. Bon, on va discuter à l'extérieur. Je crois que je le prends en charge pour cette année qui va finir. Ça va. Comme ça. Je vous donnerai l'argent et puis vous allez payer pour lui. Ça va. D'accord. Alors, ceux qui ont réussi sont où? Il est en Aweza. Baliweza, Bakuyo. Baliweza, Baliweza. Karinga, Kachoba. Kachoba. Ouais. C'est fini? Je crois qu'il y a un. Oui, quoi? Saoun. C'est bien lui. C'est lui? Oui. C'est lui. Mais lui. Pas lui ici. Non, ce n'est pas lui. C'est pas lui. Jérémy. Jérémy, quoi? Ah, c'est pas lui. Ah, c'est lui. Bon, alors, tout est des Indje. Indje. Très bien. Ouf, soyez les gougous, hein? Oui. Alors, là, nous avons fait le tour de la salle, ce qu'on a vu comme la salle. Alors donc, quels sont les vrais problèmes auxquels vous faites face ici? Les problèmes que nous avons ici, c'est la difficulté sur l'école. Tout d'abord, nous, le puits d'eau. Nous souffrons pas mal. C'est-à-dire que les gens ont l'habitude d'aller chercher de l'eau lointaine. C'est-à-dire qu'il y a un val de 3 km comme ça. Alors deux, le puits d'eau. Ici chez nous, au village Néan. C'est-à-dire que c'est pour cela que nous prions le gouvernement qu'il puisse nous aider concernant sur le puits d'eau. Et puis deux, la construction d'une école. Vous voyez, nous sommes là pour louer l'église, pour que les élèves puissent apprendre. Mais comment ça s'explique que vous avez le cuivre chez vous, vous avez toutes les richesses au Katanga, mais qu'on ait des écoles comme si on était au Moyen-Âge comme ça? Je ne sais pas, parce que comme moi je viens d'arriver, on m'a envoyé ici comme directeur. Alors j'ai raconté ici, il n'y avait pas même l'école. Mais nous avons ce qu'on appelle l'arrêté ministériel, le nom de cette école. Ça se trouve là-bas, ça, sur le village Lukumba. Est-ce que vous êtes mécanisé? Non, pas encore. Pas encore. Bon, alors on va faire ceci. Vous allez donner vos coordonnées, votre numéro. Si ceux qui voudront vous aider peuvent le faire, parce que je vois des gros camions passer par ici, je vois les richesses passer par ici, mais l'école continue à rester dans la pauvreté. Alors pouvez-vous donner vos coordonnées, comme ça les gens pourront vous appeler? Ça va. Ok. Merci. Donnez les numéros, vous pouvez les dire. Le numéro 082 60 20 403. On va recommencer parce que voilà, tous ces véhicules vont pour le mine, c'est ça? Et ces véhicules passent tous les jours comme ça? Oui. Avec des minéraux? Oui, chaque jour, même pendant la nuit. Avec des minéraux? Oui, avec des minéraux. Très bien. Alors, vous avez dit le numéro, c'est 082. Oui. 60 20 403. C'est ça mon numéro. Et nous avons notre chef, le sous-prophète de Kambov, du territoire de Kambov. Ah, d'accord. Très bien. Bon, merci beaucoup. Bon, mina, tout à l'heure, on a été là. Allez, nous sommes Mouzou, hein? Lui, on a payé pour toute l'année. Hein? Oui, toute l'année. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci, maman. Il faut dire à sa grand-mère qu'on a payé pour lui, oui. Et que les inconnus sont passés, ils ont payé pour lui. Merci pour beaucoup, qu'elle ne se dérange pas. Et si on a pour la possibilité, on reviendra pour le prendre en charge toute l'année. En tout cas, ne l'oubliez pas. On ne va pas vous oublier. Merci, allez, bye. Hein? Bon, merci, au revoir. Merci au revoir. Oubakia Mouzouri. Ok. Ok. Bye bye. Merci. Et si mal souté, pour ma comme la monicuna, bâton va au travail en Zambie. En tout cas, basse ma que musique. Donc là va, yo ma mission dans ton pays, aux autres sang comme il faut. Place l'eau à où est-ce que tu souté? Ah? Oyaki, allez, quittez! Polo ça, on est en bas de la maline à calme. N'a l'homme n'a que kuna! N'a que kuna! Là va! Ah! Ah ah! On nous a mis dans la range, maman. Comment ok? Ah, aïe, n'y a pas de caca. Vraiment. Qui sait pas?
Et en plus, na yoki kiko mi partout na Europe, dynamique Congo mi partout na Europe. Maman coquette, Moussala et commis sur partout. Tu commis la Suède, tu commis la Paris, tu commis la Lille, tu commis la Bruxelles, et puis base na Suède qui est toujours Londres, Angleterre. Puisque on a dynamique Congo, tous avancer dans le colo.